Bonjour et bienvenue, on attendait ce match avec impatience depuis quelques jours et comme vous le voyez à l'écran, la pluie a malheureusement décidé de venir gâcher un peu la fête. Il pleut des chats et des chiens comme disent les Anglais, mais il en faudrait plus pour décourager les joueurs et les spectateurs qui ont choisi de braver les éléments pour venir encourager leur équipe. Il faut être motivé par ce temps, mais comme vous l'entendez, il donne de la voix. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Livourne, qu'on retrouve aujourd'hui avec son style de jeu particulier. Il tire. C'est repoussé. Oh, mais quelle parade! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Livourne qui peut avancer. Allez. Choisit la profondeur. Bon jeu apparemment. Je reviens sur l'action précédente. Cette attaque dans l'axe, c'est souvent pas là qu'ils essaient de passer depuis quelques semaines. Allonge le jeu. Rongier. Tchaletazza. Payet. Oh, voici Thauvin. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. En la profondeur, bien vu. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La frappe, attention! Oh, ce ballon perdu aurait pu leur coûter très cher. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Sakai. Thauvin. Camara. S'il le trouve, ce ballon bien dosé. Oh, bonne lecture, intercepté. Tchaletazza. Avec Milik. Bonne intervention. Sakai qui cherche la profondeur. Oh, voici Milik. Camara. Bien, la profondeur. Quelle boulette et des conséquences sont terribles. Moi je pense qu'il a un peu de réussite là, mais c'est aussi grâce à son pressing où il récupère ce ballon. L'Olympique de Marseille qui a donc ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut en profiter. Un centre rasant, et c'est intercepté. Bonne interception, il y avait danger.
joue long. Il s'impose physiquement dans ce duel. Camara. Et ce ballon vers ses attaques. Oui, il peut frapper là. Oh, quel bel arrêt. Il pensait avoir fait le plus dur, mais les gardiens étaient bien présents. Premier corner dans cette rencontre. Et ce corner à la rémoise. Ça manque de précision, dommage. Il part en solo. La longue passe. C'est joué long. Il est passé. Yeah! Ce sera un 6 mètres. L'Olympique de Marseille, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Il allonge. Quelle passe terrible! Tovin! Tovin, super! Il est là encore! Payet, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Oh, la frappe! Oh, c'est au nouvel essai! Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Il est toujours bien placé, la preuve. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est là qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. C'est reparti sur ce score de 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Un long ballon vers l'avant. Un ballon intéressant. Bonne lecture de la trajectoire. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. À mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est reparti. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Faute, oui, faute et coup franc à venir. C'est joué dans l'espace. C'est dégagé loin. Ça joue long vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué dans la profondeur. Et je crois qu'il y a faute, c'est ça.
Livourne s'engage dans une possession un peu stérile. L'Olympique de Marseille qui mène 2-0 si vous nous rejoignez. Le jeu repart vers la droite. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Qui est le premier sur ce ballon? Long ballon dans le sens du jeu. Il cherche la profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. Non, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Camara, le bon ballon. La passe est précise. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, dans l'axe. Ah, ça commence à grogner en tribune. Trop d'interceptions. Livourne, qui joue de plus en plus en passe courte, ça leur permet de construire plus facilement. Et c'est sympa à regarder. Milik, il perd l'équilibre. Va-t-il en profiter? Il allonge vers l'avant. Il joue en profondeur et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long, attention, il est bien placé. Payet ! Extraordinaire ! Quel but ! Quel but extraordinaire ! 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Et surtout quel toucher de balle, ce lob est parfaitement ajusté. Match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Thauvin qui récupère ce ballon. Dans la profondeur, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Voilà un coup franc intéressant. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Sakai. Camara. Dans la profondeur, sur le côté. L'Olympique de Marseille qui va donc s'imposer sauf improbable remontada. Passe en retrait vers son défenseur. Il y a du espace. Le ballon dans la profondeur. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Thank you.
l'occasion de procéder à un changement. Quelle frappe! Quel manque de précision! L'arbitre siffle la fin du match. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez. Chers spectateurs, je vous rappelle que nous attendons à la boutique du club. Il nous proposons un programme de match.